The white is on the rascal. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Swish, swish. The white is on the rascal. Swish, swish, swish. All through the town. The doors on the rascal open and shut. Open and shut. Open and shut. The doors on the rascal open and shut. All through the town. Sur Montessori International Bordeaux, aujourd'hui, arrive à sa 4e année d'existence, avec plus de 120 élèves, une équipe pédagogique comprenant une 15aine de personnes, assistants, enseignants, en maternelle, en élémentaire, en collège. C'est une école qui, tout en respectant les programmes de l'éducation nationale, propose un environnement montessorien. Déjà, l'école Montessori, elle peut fonctionner à mon sens à merveille grâce à une belle équipe pédagogique, une équipe pédagogique qui a de l'expérience, qui est formée. Et nous, vraiment, on remercie tous les jours nos enseignants qui font un travail remarquable avec les enfants, que ce soit donc avec les enfants de maternelle, d'élémentaire ou de collège. Le constat que je fais en tant qu'éducatrice, c'est que les enfants apprécient de venir à l'école. Ils sont contents, ils le verbalisent. Ils travaillent avec sérénité, dans le calme. Ils sont totalement autonomes. On leur fait des présentations, ensuite ils sont capables d'aller chercher eux-mêmes leur plateau, de travailler, de ranger leur plateau, de le remettre à sa place et de choisir un autre plateau ensuite ou une autre activité. Ils ont également des activités extérieures. Ces activités dépendent des saisons. Là actuellement, par exemple, nous plantons des bulbes pour préparer la pousse du printemps. Donc ils désherbent, ils creusent, ils plantent leurs bulbes, ils remettent la terre par-dessus, ensuite ils arrosent et puis ils rangent leurs outils. Montessori, c'est un environnement rêvé pour les enfants. À l'école maternelle, on chante beaucoup et à chaque fois on apprend des vocabulaires, on pratique vraiment immersion dans la classe. Mon conseil, ça serait que les enfants, ils apprennent dès tout petit. Plus tôt on commence, le mieux c'est pour l'enfant plus tard. Everybody can speak English. J'enseigne dans cette école Montessori depuis le début de l'année. Même chose que dans l'éducation nationale, nous suivons rigoureusement les programmes, mais avec quelques petites différences au niveau de la façon d'enseigner. Les groupes ici sont des groupes à effectifs réduits, ce qui permet de laisser travailler les élèves en autonomie sur des plans de travail, puis ils avancent chacun à leur rythme. Également de faire beaucoup d'expériences, puisque c'est très important pour les sciences. Et donc on essaie de faire manipuler les élèves pour qu'ils puissent construire leur savoir à partir de quelque chose de très concret. Ici on est dans une structure qui est plus familiale, les enfants, on vient plus facilement en aide et ils sollicitent plus l'adulte. Donc ils travaillent certes en autonomie, mais ils savent que dès qu'ils ont un problème, ils peuvent appeler un adulte, voire deux, puisqu'on est souvent deux pendant les cours. Et donc il y a un suivi vraiment individuel de chaque enfant. Nosotros. Le choix est surtout fait par les parents qui veulent soit chercher le bilinguisme, donc l'anglais en immersion, soit un environnement montessorien qui soit bienveillant pour les enfants. Il est évident que même un élève de collège qui va avoir 11 ans a besoin d'avoir un regard bienveillant, une attention particulière sur son individualité. Donc l'objectif de notre école, c'est de proposer quelque chose qui soit individualisé, qui respecte la personne de l'enfant et dans lequel l'enfant va y trouver, lui, le plaisir de travailler et cet épanouissement de cet adulte en devenir. Mon fils a intégré à cette pédagogie car il y avait un retard scolaire dû à une grosse surdité qu'il a eu tout petit. Ah, juste un exemple très concret, Yanis, ça fait un CP et demi où il n'arrivait pas à lire. Donc on l'a changé pour le mettre à Montessori International Bordeaux et en 6 mois de temps, Yanis a réussi à lire. était suivie par une orthophoniste 2 fois par semaine. On est passé très vite à 1 fois par semaine. Le constat que nous faisons par rapport à Yanis, c'est un bien-être général, tant par sa scolarité que son épanouissement personnel. Tout simplement, je voulais que ma fille retrouve confiance en elle. Je voulais qu'elle gagne en autonomie. Je souhaitais que la méthode Montessori puisse répondre à ses attentes. Avant, Constance était dans le public et là, c'est sa première année en 6e. J'ai pu, avec ma femme, lui donner en fait les racines et donc les bases. Et vraiment, grâce à la méthode Montessori, elle a pu prendre son envol et gagner énormément en autonomie et en confiance en elle, notamment dans les matières scientifiques qui lui posaient des difficultés avant. Aujourd'hui, la pédagogie Montessori permet d'adapter l'apprentissage à l'enfant. Ça développe du coup son autonomie, ça le responsabilise tout en le faisant réfléchir par lui-même. En plus de ça, c'est vrai que l'approche Montessori amène toutes les activités d'une manière ludique, donc ça les stimule, ils ont envie d'apprendre. Et il y a une étude, alors c'est en 2006, sur un échantillon de 120 élèves qui ont suivi une scolarité Montessori. Et cette étude a quand même conclu au bout du bout pour dire que ces élèves-là étaient plus doués en mathématiques et en lecture que les autres, étaient plus créatifs aussi, mais aussi étaient plus dans le respect des autres. Les classes sont mélangées en termes de niveau, donc de manière naturelle, les grands aident les petits et toutes ces valeurs-là sont développées dans ce contexte-là. Ce qui m'a fait choisir la pédagogie Montessori, c'est d'abord l'écoute de l'enfant et la bienveillance. Mon enfant était avant dans le secteur public, sur les conseils d'une amie qui avait son enfant scolarisé ici. Et nous avons eu la grande chance qu'il y soit intégré et depuis, mon enfant a retrouvé le sourire. J'ai le constat que je fais, c'est que j'ai retrouvé mon enfant. J'ai un enfant qui parle, qui communique, qui est content d'aller à l'école. J'ai 2 grands-enfants qui ont 30 ans et 28 ans. Si j'avais pu les scolariser dans le type d'établissement comme celui-ci, aurait eu leur avenir beaucoup plus joyeux, beaucoup plus facile. Ce que j'aime bien dans l'école Montessori, c'est les mathématiques, le français et l'art. Moi, pour venir à l'école, je viens de très loin et ça me fait au moins 50 minutes. Et moi, je m'accroche dur pour être dans cette école et pour bien réussir ma vie. Voilà. Alors, je suis au conservatoire de Bordeaux et je suis en opus dans les cours de violon, c'est la 4e année. Moi, ce que je préfère dans cette école, c'est que tu as du matériel pour bien savoir quand tu fais les choses. J'avais des difficultés à la division, maintenant que j'ai du matériel, j'arrive beaucoup. Hello, my name is Inora. Ma meilleure copine, c'est Nessa. J'ai un petit frère ici, il s'appelle Evan, il est en CP. Rosalba, je te fais un petit coucou. Ici, c'est tout le monde s'occupe de tout le monde. Si on veut aider quelqu'un, on peut. Et surtout les professeurs. Si t'as pas compris quelque chose, ils te le réexpliquent. Alors, j'aimerais faire pâtissière. Parce que depuis mes 8 ans, j'aime bien faire des gâteaux, la création. En plus, on peut partager ça avec tout le monde. Et tout le monde aime quand il y a du partage et quand il y a du bonheur. Je suis rentrée en classe pour faire de la chimie. Et on a fait des expériences. Bah, quand on n'a pas compris, on peut demander aux camarades. On est heureuses ici. Ce matin, ben, j'ai pris un squelette pour travailler avec mon ami Yanis. J'aime bien cette école parce que je retrouve mes amis, parce que j'aime bien sciences, histoire, et français et maths et anglais. Et moi, je trouve que ça m'apprend plein de choses. Ça fait 2 ans que je suis dans l'école. Ma matière préférée, c'est l'anglais. Ma prof d'anglais, elle s'appelle Rosalba. Ce que je préfère chez elle, à chaque fois, elle m'aide. Je trouve que dans une école Montessori, on manipule beaucoup plus que dans les écoles normales. Et bien, au niveau des langues, on peut choisir entre espagnol, chinois et anglais. Comme ils avaient dit, c'est vraiment l'enfant est au cœur parce qu'ils nous expliquent bien. C'est clair pour nous. Le matin, on a anglais et ce que je préfère, c'est les maths et le français. En matériel, ce que je préfère, c'est les tiroirs en français et la grande division en maths. Mon cours préféré, c'est l'anglais. Quand je serai grande, j'aimerais être vétérinaire parce que j'adore les animaux. J'aime bien venir à l'école parce qu'il y a mes amis, que j'ai des profs sympas. En réalité, Montessori, moi j'ai eu la chance de faire toute ma scolarité dans un établissement Montessori, donc au sein du lycée international Montessori de Bailly. Et ça a été vraiment pour moi quelque chose de formidable puisque j'ai été tous les jours heureuse d'aller à l'école. Heureuse vraiment de ressentir un épanouissement. L'apprentissage des langues en immersion aussi m'a apporté beaucoup. Et lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, j'ai eu toutes les portes finalement qui se sont ouvertes devant moi. Et ça, c'était formidable de pouvoir se dire qu'avec un bulletin Montessori, en ayant été tous les jours heureux d'aller à l'école, ben finalement je pouvais choisir la voie que je voulais, la voie qui était la mienne. Et dans le supérieur, grâce à cet enseignement Montessori, je pense, qui enseigne l'autonomie, l'indépendance, le respect de soi, le respect des autres, pu vraiment m'épanouir pleinement et réussir à merveille. Il y a des petites choses qui sont écrites et après on essaye de lire. C'est V-E-N-I-T-I-A. Ma meilleure copine, c'est Eloïse. Et demain, le but, le projet, c'est d'ouvrir le lycée. Parce que quand on voit nos collégiens, à quel point ce sont des jeunes vraiment merveilleux, qui ont confiance en eux, qui sont dans le respect d'eux-mêmes, dans le respect aussi des autres, puisqu'ils sont vraiment dans l'entraide, dans la bienveillance. Et surtout quand on voit leur excellent niveau, non seulement en français, mais aussi en langues étrangères, et qui nous parlent de leur projet d'avenir, de cette envie qu'ils ont de construire des choses, et bien on a envie de les accompagner jusqu'au baccalauréat. Et on sait aujourd'hui, justement, grâce au lycée international Montessori, que Montessori fonctionne à merveille jusqu'au baccalauréat, et offre aux enfants, après pour le supérieur, toutes les clés pour réussir et se construire l'avenir qu'ils se sont décidés pour eux-mêmes. Petite musique que le vent emporte, chante avec nous, Noël, Noël, la 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 la. Do you like playing with things? I like playing with activities the best. And I like stacking the building blocks up. Pour pérenniser en fait cette transmission, il y a non seulement cette école, mais aussi l'écriture des livres pour pouvoir offrir au plus grand nombre possible cette merveilleuse pédagogie. Donc les livres que j'ai la chance d'écrire, et puis les formations aussi qu'on dispense, pour que Montessori puisse toucher tous les enfants et permettre à cette enfance d'être épanouie et de faire des adultes heureux.